Salut à tous! Avec Greg, on se demandait d'où venait la délicatesse légendaire des CRS. Eh ben, on a appris qu'ils ont eu une formation spéciale financée par le ministère de l'Intérieur. 1, 2, 3, flashball! Bonjour à tous et bienvenue dans G8. Bonjour Michel. Salut Jérémy. Aujourd'hui, nous nous consacrons à la forme physique des CRS pour qu'ils soient au top pendant les manifestations. Pendant les émeutes des retraites, j'avais du mal à courir après tous ces vilains bolcheviks. J'étais lourd, je me sentais gras. Mais aujourd'hui, grâce à G8, j'ai retrouvé un physique d'athlète et je leur pète les genoux sans problème. G8, c'est vraiment super. Et oui, pour courir pendant 4 heures et défoncer les manifestants, il faut avoir de bonnes jambes. Alors, on fléchit, on frappe et on court. Fléchis, tu frappes, fléchis, tu frappes, tu cours. Fléchis, tu frappes, fléchis, tu frappes, tu cours. Super. Mais est-ce l'unique façon d'être au top dans les manifs pour casser du syndicaliste? Bien sûr que non! Il y a souvent aussi des journalistes qui traînent avec leur caméra quand on vient de lyncher un noir ou un arabe gratuitement. Alors c'est emmerdant, il faut s'en débarrasser. Ah oui, il y a une technique? Bien sûr, le journaliste arrive et tu claques, tu tases et t'écrases. Tu claques, tu claques, tu claques, tu tases et t'écrases. You slap, you slap. Génial! C'est vrai que la technique du claque, tase, écrase est très efficace. On peut démonter la gueule aux journalistes bien plus facilement. Ça nous fait les biceps et j'ai même découvert un nouveau mouvement bon pour mon corps. Exact! Ce mouvement vous permet de provoquer tous ces vilains protestataires. Dommage, 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 j'ai un bouclier. C'est génial. Avec plus d'entraînement, les CRS deviendront de vraies machines de guerre. G8, c'est génial. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un G8 spécial expulsion de sans-papiers. T'expulse, t'expulse, c'est coup du lapin.